Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec un nouveau plus haut donc en clôture puisque malgré une ouverture en légère baisse, eh bien le CAC 40 a continué donc sur sa progression pour clôturer à 5591.69. Le CAC 40 gagne aujourd'hui 0,2% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous avions ici une dynamique qui avait permis la rupture haussière des 5532 points. On a l'objectif ici des 5585.62 qui a été testé. On a donc cette zone qui est en train d'être validée et cassée à la hausse. Le prochain objectif se situe désormais sur la zone des 5651 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste ici dans une dynamique haussière sur l'unité de temps daily avec l'histogramme du MACD ici qui évolue à la hausse et des indicateurs RSI, enfin l'indicateur RSI qui continue à évoluer ici en zone de surachat. Les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne sur cette séance. Donc nous avons tous les signes d'une séance qui reste et d'une dynamique qui reste haussière. On a eu ici une petite phase d'hésitation. La consolidation ici a donné son objectif. Donc on peut désormais effacer ce retracement. Et donc on est en route ici vers la zone des 5651 points. Si les cours venaient à repartir ici à la baisse, et notamment si on avait une incapacité ici à casser le point haut de la semaine dernière qui se situe à 5600 points, eh bien on pourrait revenir une deuxième fois ici sur la zone des 5532 après la cassure, puisque nous avons déjà eu un premier test ici le 18. Si ce niveau ici était cassé à la baisse, là le signal pourrait donner une première alerte d'affaiblissement, mais je dirais que tant que les cours continuent à évoluer ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on reste dans une dynamique plutôt haussière, sachant que le retournement de tendance serait plus validé ici si on venait casser cette zone des 5430 points où il y avait eu ce petit point bas significatif ici après l'ouverture du gap haussier ici et qui était précédemment résistance. Donc pour l'instant on reste ici dans une dynamique haussière, pas de configuration d'excès pour le moment. On a certes un RSI qui est en surachat, mais on est à l'intérieur des bandes de Bollinger. Le MACD ne nous donne pas une trop grande amplitude du point de vue de ces histogrammes. Donc pour l'instant on est dans un suivi ici et dans une phase de hausse très régulière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, alors nous avons une probabilité qui est assez marquée hein, pour demain, puisque la probabilité serait plutôt baissière donc avec une probabilité donc à 65% d'avoir une séance baissière à partir du niveau d'ouverture. On a peu d'occurrence, mais la probabilité est quand même relativement forte et cela semble se confirmer pour les jours suivants hein, puisque la probabilité à 5 jours eh bien semble nous donner une orientation plutôt baissière là aussi avec une conviction qui est quand même assez forte. Donc attention hein, notamment à 3 ou 4 jours on a une probabilité assez forte d'avoir une phase de consolidation. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.